On appelle cet homme le virtuose virtuel. Personne ne sait s'il existe vraiment ou s'il n'est que le fruit d'une intelligence artificielle. Ses compositions se déploient comme des virus informatiques et ses auditeurs en sont de potentielles victimes. Ses sons synthétiques assassinent. Les vibrations jaillissent des enceintes comme des serpents et parviennent aux oreilles comme des morsures. Méfie-toi du virtuose virtuel. Virtuose, 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 virtuel. Avec toutes ces machines et tous ces logiciels. Il t'hypnose et puis il t'ensorcelle. Méfie-toi, 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 méfie-toi du virtuose, 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 virtuel. Tous ces sons sont des anacondas. C'est une chose, c'est une chose, c'est une chose irréelle. N'oublie pas que tu peux être sa proie. Virtuose, virtuel, virtuose, virtuel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Virtuose, virtuel, sa musique est rapide, sa musique. Virtuel tombe amoureux d'un ténor, une voix qu'il a lui-même synthétisée pour sa dernière composition. Mais le ténor en question est indifférent face à ses avances. Le virtuose virtuel décide alors de lui écrire une chanson pour attirer sa convoitise. C'est la toute première chanson d'amour qu'il compose. Emporté, emporté et conduit par l'amour, il écrirait écrit quelques mots de love pour. Le ténor qui ne lui répond pas. Lui ne chante que des i, que des e, que des o, que des a. Incapable d'obtenir de la part du ténor des mots articulés, ni même un comportement favorable, le virtuose virtuel comprend vite que l'amour est totalement impossible. Inspiré par cette tragédie et par la beauté de ses chants, il synthétise un ensemble de sons pour accompagner la mélodie du ténor et en découle une de ses plus belles compositions.